Nous revoilà, salut à tous, bienvenue sur le euh, club mercato euh, des Girondins. On se retrouve, voilà, ça fonctionne beaucoup mieux, excusez-nous pour ce petit problème technique. Yanis, comment ça va Ça va, oui, ça va. Ça va Bon, alors, euh, semaine agitée Semaine agitée et euh, on va si si, si, si tout Merci, fonctionne oui, hein. non, semaine agitée et euh, on va euh, regarder ensemble ce qui s'est passé dans l'actualité du mercato des Girondins euh, si vous avez manqué cette semaine et eh il s'est passé beaucoup de choses euh, il y a eu beaucoup, euh, de mouvement. beaucoup de mouvements et on a eu beaucoup d'informations sur nos girondins de Bordeaux. Donc euh, posez vos questions, on y répondra à la fin. On a déjà eu beaucoup, beaucoup de questions euh, sur, euh, comment dire sur, Instagram. sur Instagram. Sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Euh, je te laisse nous donner le programme de cette émission, Yanis. Euh, Alors, on, va, on va commencer avec euh, le départ officiel de Jules Koundé qui s'en va, euh, va des Girondins euh, vers le FC Séville. S'ensuivra ouais. euh, son remplaçant Laurent Koscielny qui est euh, c'est une rumeur concrète d'arrivée euh, révélée euh, hier euh, peu après euh, le départ on va dire confirmé de Jules Koundé. Euh, nous parlerons de l'arrivée de Loris Benito qui arrive et qui s'engage pour trois ans avec les Girondins. Euh, C'est pas fini pour les arrivées. Il peut y avoir d'autres arrivées. On va en parler. Les arrivées officielles et euh, euh, voilà, ça peut encore bouger. Euh, les départs officiels et ensuite euh, la bonne idée que je vais que je vais faire. La bonne idée euh, qui va parler d'un joueur qui parle espagnol, qui dispute la Copa América. Vous en saurez plus tout à l'heure. Voilà, c'est petite. Euh, voilà, il espagnol fait la Copa. Alors moi je connais le nom puisqu'on l'a vu ensemble. C'est euh, bah, c'est plutôt intéressant hein, comme, euh, comme joueur. Comme hein. toutes les bonnes idées. Ouais, comme toutes les bonnes idées, <laughs> c'est plutôt intéressant. Exactement. On va parler euh, des rumeurs de départ d'arrivée avec des focus sur Matteo Tramoni euh, et sur euh, Trincao. Ouais. Euh, Francesco Trincao, Trincao. Euh, Le portugais. Ouais. Avec les rumeurs de départ aussi avec euh, Bupenza, On en parlera sans carré. Et voilà, et à la fin, euh, on répondra à vos questions euh, qui, qui, qui sont nombreuses. On, on répondra aux questions qui ont été posées sur Instagram et sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et euh, on vous fera, fera part de nos réponses. On va essayer de vous répondre le plus précisément possible euh, et de vous donner tout simplement toutes les informations sur ce mercato. Voilà. Euh, je, te... je termine. Si tu peux. Ouais, le, je, vais, le, je termine juste je vais... là. Je termine juste un réglage technique, puisque ça nous arrive, c'est la première fois que ça nous arrive. On a un petit, un petit problème technique. Euh, et voilà, on est en train de le régler. Et je suis en train de tout mettre sur WebGirondin pour que vous puissiez nous suivre euh, en direct. Voilà. Commencez à poser vos questions. Vous pouvez commencer à poser vos live. questions. Il y en a beaucoup. Alors c'est un, euh, un peu la galère. On va, ne on va, va pas se le cacher. Mais euh, ça fonctionne. Et je crois qu'on va pouvoir prendre. Le cours de l'émission normalement, voilà. Dites-nous bon. si vous en entendez mieux que tout à l'heure. Voilà, on a préféré recommencer euh, notre live euh, plutôt ça que ça saccadait plutôt que de continuer dans de mauvaises conditions. Voilà, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Euh, je fais un test parfait. son euh, et voilà, c'est parfait. Alors, on commence ce mercato. Ah, j'avais dit, j'avais dit la semaine dernière, j'avais dit dans l'émission, Yanis. Quand on fera l'émission la semaine prochaine, il y aura eu une ou plusieurs signatures. Eh oui, tu as eu raison. Alors, on a eu une signature, mais euh, un on n'a pas eu, euh, on a eu un départ. Voilà. Alors, on, on regarde le focus sur Jules Koundé qui est parti. Yanis, quelle est ton analyse euh, Déjà, si tu peux donner les informations ouais. aux internautes et ton analyse de, ouais, de, de, de ce départ. À 20 ans, il, il quitte déjà les Girondins de -le Bordeaux, formé au club. Hein. Il signe au FC Séville pour euh, un contrat de 5 ans. Il, il s'engage au FC jusqu'en 2024. Euh, pour 25 millions d'euros plus euh, des pourcentages euh, à la revente vraisemblablement. Donc euh, il fallait s'attendre. Hein, ce que Koundé qui est devenu un des tauliers des Girondins cette saison, euh, même en fin de saison dernière, hein, mmh. euh, 51 matchs joués, il est au club depuis 18 mois. Euh, Qu'en cas d'offre euh, très intéressante, euh, les dirigeants allaient finir par céder. C'est ça. Euh, c'est une petite. Si on, si on nous l'avait dit il y a deux mois, on n'aurait pas cru oui. euh, que Jules Koundé partirait et quitterait les Girondins de Bordeaux euh, aussi rapidement. Moi, je, ah oui, moi oui. Je, personnellement, j'avais du mal à l'envisager. Une, deux semaines, mm. euh, on vous avait fait un article sur Web Girondins vous expliquant pourquoi euh, c'est possible qu'ils partent, tout simplement. Pour les revenus qu'il apporte, 25 millions d'euros, ça mmh. peut couvrir du déficit au niveau du club, ça peut couvrir euh, des, le mercato. Le, on va, va peut-être pouvoir commencer le marché des transferts niveau arrivée payante, mmh. parce que Benito. Quateng euh, et Mescher euh, étaient gratuits, euh, arrivés libres euh, lors du Mercato. Voilà, donc 25 donc, millions voilà. d'euros, c'est environ la somme que Bordeaux euh, va récupérer. On va dire que c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Euh, moi, Koundé, très déçu en tant que supporter. J'ai le cœur de supporter déçu parce que l'avoir vu jouer simplement 18 mois sous nos couleurs, il avait vraiment la mentalité, la mentalité dont parle Paolo Souza. Il l'avait, Jules Koundé, cette mentalité de gagnant, de vainqueur. Et après, tu, quand tu réfléchis à la situation du club et aux possibilités qu'il y a, ben, il n'y en a pas 50 000 des possibilités. Si tu le vends 25 millions, euh, ben, tu peux peut-être recruter derrière, débloquer des dossiers au milieu et en attaque. Et je pense que Bordeaux a peut-être tiré euh, les enseignements du non-départ de Camano au mois de janvier. Et notamment euh, ce départ raté parce qu'on a peut-être été un peu trop gourmand pour François Camano. On verra si on a bien fait de, de le retenir et là dès on verra si on arrive à le vendre au moins 15 ou 20 millions d'euros mais je pense que si on t'en donne 10 ou 15 pour Kamano moi moins c'est bon mais peut-être qu'ils ont voulu accepter tout de suite une offre intéressante qui est dans la valeur du joueur oui, pour tu débloquer un peu cet effectif et ce mercato tu parles de Kamano, moi j'avais pris l'exemple de, de Roland, Diego Roland qu'on qu pouvait vendre à un prix intéressant et qu'au final ouais. a fait la saison trop au Girondin et on n'a pas pu le vendre dans, dans ouais. ce qui valait quoi Ouais, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh, donc on vous a mis des stats, vous les voyez sur votre écran, euh, vous voyez Jules Koundé, euh, donc qui va à Séville, il a 20 ans, il était sous contrat jusqu'en 2023 avec Bordeaux, et là il a signé pour 5 saisons, il a joué 70 matchs avec Bordeaux, ce qui est énorme en 18 mois, 4 buts, une passe décisive, 6288. Minutes de jeu. Voilà. Euh, posez vos questions. Je vois que vous avez déjà pas mal de questions après ce faux départ qu'on a fait sur l'émission. Euh, bah écoutez, on y répondra dans quelques instants. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Yannis, sur Jules Koundé euh, non, euh, non. Juste que ça va, ça va lancer notre mercato. C'est peut-être un nouveau point de départ. Mmh. À partir de ce mois de juillet, on va. On va passer aux choses concrètes, peut-être au niveau des arrivées. Voilà, et on répondra à toutes vos questions à la fin. On les passera en revue. On en a déjà eu pas mal sur les réseaux sociaux. Allez, on continue et on enchaîne. Qui dit Jules Koundé On va tout de suite parler de la rumeur, Laurent Koscielny et de son peut-être futur remplaçant. Euh, voilà, ça s'affiche sur vos écrans. Euh, le petit sigle en haut à côté de arrivée, ça veut dire que c'est une rumeur. Et quand vous avez ce petit sigle. Euh, que vous voyez à côté de Jules Koundé avec le contrat signé, ça veut dire que c'est officiel. Voilà, euh, ça vous aide à décrypter comme ça nos infographies. Kosielny, euh, on avait ça vaguement eu son nom, ça se discute. J'ai eu des questions, on nous a demandé est-ce que c'est une rumeur euh, Alors, c'était la question elle est euh, ici, la piste Kosielny est-elle sérieuse Eh oui, elle est bel et bien sérieuse. Euh, les, les, les deux parties discutent, euh, le club et le joueur. Euh, on ne discute pas avec Arsenal, euh, à ma connaissance. Euh, en fait, ce qu'il faut, c'est que Koscielny résilie son contrat avec euh, les Gunners. C'est un peu ce qui, est, euh, ce qui est demandé par le joueur, être libre, pour ensuite signer au Girondins, parce que Koscielny il a quand même une valeur marchande. Hein. Euh, ce serait euh, dans les alentours de 8 millions d'euros selon le, le transfert Market. Euh, donc, euh, 33 ans. Ce serait une bonne pioche s'il arrive libre. Autant vous dire qu'une charnière centrale, Kossienli, mes euh, ça peut faire le boulot. Hein. Ça, peut, ça peut contrer euh, toutes les défenses. Non, euh, 31 matchs joués cette saison. Il revient après une blessure au, au talon d'Achille qui a fait manquer euh, la Coupe du Monde euh, 2018 avec l'équipe de France. 3 buts euh, et 2406 minutes jouées. C'est quand même pas mal, euh, le, lui qui n'a pas joué le début de saison. Ouais. Ce, ce serait une bonne pioche. Euh, maintenant, il faut que ça se fasse. Ça va se jouer, à mon avis, euh, sur cette histoire de résiliation de contrat. Euh, S'il arrive à se libérer de son contrat, euh, ça va se faire. S'il n'y arrive pas, ça semble très compliqué. Voilà, Yannis, tu as tout dit. Alors, il y a des questions qui. Kevin Strotman hein, je vois ta, ta question. Tu es là à chaque émission d'ailleurs, on te remercie. Oui, merci tu dois ser... tu dois être... Tu n'as toujours pas changé de nom. Hein. Voilà, toujours pas, on te le dit à chaque fois. Kosielny n'a pas été blessé la saison passée ou les deux dernières années. Alors si, ouais. oui, donc il s'est flingué, euh... <laughs> je reprends son terme, il s'est blessé au tendon d'Achille, si je ne dis ouais, pas de bêtises, ouais. qui lui a... Donc juste avant la Coupe du Monde, donc il a manqué la Coupe du Monde. Et vous voyez sur l'écran... Il a quand même joué 31 matchs la saison dernière, 2400 minutes de jeu. Nice. Est Capitaine bien. en force d'Arsenal, euh... une grosse expérience hein, de la Premier League. Il a plusieurs titres euh, à son palmarès et ça serait une bonne pioche. Pourquoi euh, Parce qu'il apporte l'expérience, l'encadrement et l'état d'esprit. Euh, et ça, l'état d'esprit, c'est hyper important. C'est quand même un joueur qui a hum, des dizaines. Alors, j'ai pas le nombre exact de sélections en équipe de France qu'il ouais, peut non, avoir. Mais... Alors, il a pris sa retraite internationale. Euh, moi je trouve que c'est intéressant et ça serait peut-être la tête d'affiche du, du projet Bordelais. Les voilà. noms qu'Edouard qu que de notamment disait qu'il allait essayer d'apporter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2020 avec Arsenal. C'est ça. Donc euh, en fait, le lâcher cet été ou l'année prochaine. Ça leur change pas. Enfin, ils vont le, ils vont le vendre libre. De, fin, ils vont le lâcher libre. Euh, à moins qu le, que qu'un oui. club l'achète cette saison. C'est ce qui avait bloqué Lyon euh, cet été euh, que Arsenal euh, rechigne à le libérer de son contrat euh, et donc réclame une indemnité. C'est ça. Et ce qu'on peut euh, peut-être craindre, c'est que Arsenal ne souhaite pas euh, le libérer de sa dernière année de contrat et que Bordeaux ne soit pas enclin à payer euh, des indemnités euh, de transfert. Parce que je, je vais remémorer ce projet Bordelais, il faut bien avoir en tête aujourd'hui que Bordeaux cherche soit des jeunes à fort potentiel, euh, ou à potentiel, pas forcément à, à fort potentiel, ou à potentiel, et qui puissent développer leurs compétences pour les revendre plus cher. Dans ce cas-là, ils sont prêts à débourser une petite indemnité, euh, ou euh, Bordeaux cherche des joueurs expérimentés. Euh, mais quand tu as plus de 30 ans, tu peux pas faire un contrat de 2-3 ans et espérer revendre le joueur plus cher derrière. Donc automatiquement, tu ne souhaites pas dans ton projet économique, débourser une indemnité euh, de transfert élevée pour le faire venir ce joueur puisque tu sais que derrière en termes de rentabilité pour le revendre après tu pourras pas Parce que c'est un projet à long terme justement et non pas à court terme donc on n'a pas besoin de lui pour cette saison absolument, mais on a besoin de lui pour le futur pour encadrer les jeunes. Euh, voilà, donc ouais. euh, c'est exactement, exactement ça. C'est exactement ça. Et je vois que vous y a pas mal de questions euh, vous concernant euh, sur le chat, sur YouTube. D'ailleurs, merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Hein. Vous êtes très nombreux, émission après émission. Ça monte, merci, ça nous encourage. Euh, parce que c'est vrai que c'est quand même du travail de préparer ces émissions. En tout cas, c'est top. Euh, vous parlez de la piste Houellebecq. On en parle tout à l'heure de la piste Houellebecq. Sauf si tu souhaites y répondre tout de suite. Euh, on met la, aux questions-réponses après. Questions-réponses, c'est en fin d'émission. On aura les rumeurs voilà. d'arrivée de départ, on va en parler. Voilà, on en parlera. Euh, la bonne pioche, nous dit Vincent, une bonne pioche, mais il faudrait un jeune en complément. Après, si tu. On a recruté Quateng, Bellanova, euh, Benito, Benito, Méchère. Méchère. Hein. Alors, tu as Méchère Pablo Ekocielny, euh, -Nice, c'est ta défense centrale. Super expérimenté hein, si c'est les trois de derrière. Hein. Et puis on a un Jovanovic qui peut se greffer à la défense mmh. et euh, apprendre de ces, trois, de, ces trois, de ces trois défenseurs pour euh, ensuite dans le futur euh, être revendu, revendu à, à un prix euh, tout à fait honorable. Voilà, il y a Isa qui réagit aussi sur le chat, sur YouTube et qui nous dit qu'il regrette le départ de, de Jules Koundé. Voilà. Dites-nous d'ailleurs, ça peut être un fil rouge sur cette émission, euh, si je vous regrettais le départ de Jules Koundé ou si vous le comprenez On a fait un sondage sur WebGirona et c'était partagé, hein. ouais, beaucoup de très dé... partagé. C'est c'est quand même subjectif. En tant que supporter, forcément, on est déçu, mais euh, en mmh. tant qu'amoureux euh, qu du club aussi, on peut comprendre euh, le choix des dirigeants. Très bonne question euh, de Cobast. On va la prendre tout de suite parce qu'elle est pile dans le sujet. Et il nous dit si il n'y vient et que Pablo reste, je me demande si c'est Méchère ou Pablo euh, qui ira sur le banc. Vous en pensez quoi Est-ce que je peux me permettre de commencer à oui. répondre, Yanis Ce que je pense, moi, c'est que déjà, on a une défense à 3. On va jouer en 3, 4, 2, 1. Normalement. Hein. Euh, a priori, c'est le projet. Euh, à 3, tu peux déjà, euh, si tu peux mettre Pablo, Mescher et Koscielny, sans problème. Après, je, je pense que Pablo quittera les Girondins de Bordeaux. Peut-être pas euh, tout de suite, au mois de juillet, mais certainement plus tard. Il est en partance. Ça, c'est mon sentiment. Il euh, y a beaucoup de signes qui, qui le montrent. Euh, donc, ça pourra solutionner euh, cette solu ce, ce problème hein, qu'il qu évoque. Après, tu as aussi Jovanovic, à mon avis, il y a la place pour tout le monde, mais Pablo va partir de toute façon. Oui, Jovanovic, euh, c'est le défenseur euh, montant, j'ai envie de dire l'étoile montante, un peu de la défense bordelaise. Paolo Souza avait dit que c'était le joueur qui avait le plus progressé euh, sous ses ordres. Moi, je le vois bien euh, avoir une petite place, euh, Jovanovic, et ça passerait par un départ de Pablo peut-être. Je crois aussi au départ de Pablo. Ça dépendra des offres, encore une fois. C'est comme Jules Koundé. Chaque joueur, si une belle offre se présente, pourrait partir euh, potentiellement, à part les recrues bien sûr. Ouais. Euh, du club. Allez, restez avec nous, on continue à dérouler cette émission, on a fait le focus sur Jules Koundé, on a fait la rumeur Koscielny, alors qu'il y a une rumeur, qui c'est une information hein, qui est sortie dans l'équipe, et l'autre média, Bordeaux, euh, cherche à faire venir Laurent Koscielny. Euh, c'est du concret. Euh, voilà, et on reparlera peut-être tactique après défense, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Enoch quateng et euh, il m'a indiqué euh, bah, que finalement sa place était plus latérale droit et pas jouer euh, dans l'axe de la défense, même dans une défense à trois. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et après Koscielny, il y a eu une arrivée. Ça a été un petit peu le fil rouge euh, de, ce, euh, de ce début de saison. C'est euh, l'arrivée de Benito. Euh, Loris Benito qui signe au Girondins pour 3 ans. Oui, euh, Loris Benito, le latéral suisse, latéral gauche, qui vient apporter un peu de concurrence euh, aux Girondins, un poste où il n'y a que Maxime Pungé qui, en fait, assure le, le poste. C'est ça. Euh, donc, Benito, euh, 27 ans, donc plutôt euh, expérimenté, qui a déjà joué à l'étranger euh, au Portugal. Il est d'ailleurs. Euh, Polyglotte, Benito, si je me trompe Tout pas. Tout à fait. Il, est, il parle français, il parle anglais, il parle espagnol, il parle portugais, il parle et allemand. Et il parle allemand aussi, voilà. ce qui peut faciliter son intégration. C'est pour ça que tu, le, que tu en parles. Euh, il dit avoir beaucoup parlé avec le coach, avec Joe D'Agrossa, avec Edor Domacia avant de venir et que le projet l'intéresse. Euh, Qu'il va tout donner pour, euh, pour le maillot, pour les couleurs girondines. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Euh, euh, Benito. Euh, 42 matchs joués euh, la saison dernière. Un but si pas décisif euh, par des centres, hein, notamment euh, sur son côté gauche. Et il, oui. il va porter une certaine, euh, une certaine assurance sur le côté gauche. Oui, c'est un joueur expérimenté. Alors, vous avez vu, euh, il arrive libre, mais il faut savoir aussi quand les joueurs arrivent libres, euh, le club verse une indemnité, une prime à la signature. Donc, on dit souvent le joueur arrive libre. Ils arrivent libres, les joueurs, mais ils monnaient auprès des clubs. Le fait qu'ils soient libres, comme le club n'a pas à payer d'indemnité. Pour l'argent, aussi. Pour l'argent, pour le joueur. Donc, euh, on peut expliquer un contrat plutôt court de 3 ans. Il aura 30 ans à la fin de son contrat, du fait que Bordeaux a dû donner une prime à la signature pour oui. ce joueur expérimenté. Un gros... Euh, grosse mentalité, comme le dit Paolo Souza, je reprends ses mots, gros état d'esprit. Et on a vu à sa déclaration sur Gold FM hier soir pour la remise des maillots que mais finalement... Euh, il n'était pas là pour parler, il était plutôt la là pour apporter sa hargne. Voilà. Euh... C'est le profil que recherchent de toute façon les dirigeants bordelais. Il l'avait dit, c'est euh, un, quelqu'un qui a une bonne personnalité, qui va bien s'intégrer dans, euh, dans le groupe bordelais euh, grâce à son mental, grâce à ce qu'il a dans le cerveau aussi. Oui, voilà. Donc, euh, ben Enfin, donc euh, c'est la quatrième recrue des Girondins, Loris Benito. Euh, on va certainement le voir ici. Voilà, vous voyez les arrivées. Quatre arrivées. Vous voyez les postes, ça s'affiche sur votre écran. Euh, Raoul Bellanova, défenseur droit, latéral droit. Mécher, central. Quateng, défenseur droit. Benito, défenseur gauche. Que des défenseurs. Par rapport à Quateng, Benito a plus l'habitude à jouer dans l'axe. Oui. Benito voilà. peut évoluer en défense à trois il l'a fait avec la Suisse. Euh, c'est possible de, de faire évoluer dans l'axe alors que toi Quateng tu, tu lui alors, as parlé alors Quateng j'ai eu l'occasion de lui parler parce que euh, je l'ai euh, discuté avec lui lors de euh, la soirée présentation euh, de, des de présentation des maillots et je lui ai demandé à quel poste il était le plus à l'aise et euh, il m'a indiqué que le poste euh, auquel il était le plus à l'aise c'est le poste de défenseur droit et il est plus à l'aise lorsqu'il joue dans une défense à 4 euh, malgré tout il est capable de s'adapter euh, et il jouera où on lui demandera de jouer de toute façon hein. il n'a aucun souci là-dessus mais c'est vrai qu'il est plus à l'aise défenseur droit et on peut imaginer une concurrence importante avec entre Belanova ouais. voilà. avec Belanova le temps, le, le temps qu'un des deux s'adapte mmh. euh, sinon euh, pourquoi pas euh, ça dépend de la défense alignée aussi par Pablo Souza peut-être que s'il euh, préfère jouer un jour à 4 il privilégiera privilégiera Quateng euh, et en défense à 3, euh, peut-être que, que Belanova serait une meilleure solution. Voilà, il y a Kevin Srottmann. Décidément, Kevin, tu es très actif sur le chat. Je vois que tes questions, alors je vois que les autres posent des questions, mais on fera tout à l'heure un question-réponse à la fin de l'émission. On, on, on consacre à peu près entre 5 et 10 minutes aux questions-réponses, donc euh, n'hésitez pas, on reprendra le fil, euh, Yanis et moi, pour le faire. Il nous dit, euh, il a joué à la Coupe du Monde, me semble-t-il. Oui, il était. Euh, je ne sais même pas s'il y avait la Suisse, d'ailleurs, à la Coupe du Monde. Mais oui, il est si. international. Si, si, il y avait la suisse. Mais il n'a il pas énormément de sélections en Coupe du Monde encore. Hein, en Coupe du Monde, en, en équipe suisse, pardon. Euh, notre ami Benito. Voilà. Donc, euh, bon, je suppose sais pas si tu veux rajouter quelque non, chose sur Benito, quatrième offre. Benito, pour moi, une bonne recrue. Euh, voilà. Surtout qu'il arrive libre. Mais bon, on, on verra sur le terrain, de toute façon, comme il a dit. Hein. Les recrues euh, vont devoir prouver leur valeur. Exactement. Allez, euh, donc on... je vous remonte le plan euh, sur euh, les arrivées officielles. Regardez, hop, ça s'affiche sur votre écran. Euh, voilà. Et le point d'interrogation est-ce qu'on va avoir une recrue avant le départ du stage C'est une question qui a été posée d'ailleurs sur, euh, sur notre compte Insta. Alors ils partent en stage en Autriche jeudi, le 4. D'autres recrues sont-elles prévues cette semaine donc, mmh. Demain. Eduardo Macia a déclaré euh, qu'il souhaitait deux joueurs, qui travaille actuellement pour la venue de deux joueurs cette semaine. Euh, à mon avis, soit ils arrivent avant le départ en, en Autriche, euh, après, soit ça sera au retour du, du stage en Autriche, à moins que euh, le, le joueur prenne, euh, arrive puis rejoigne le, le groupe euh... en Autriche. On ne sait pas. Hein. Ah. Une arrivée avant le départ en Autriche qui est demain, ça, ça semble compliqué. Oui, 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 oui. oui. Surtout donc, que, moi euh, aussi. on l'entendrait venir, euh, l'arrivée, Benito, mmh. on le savait un peu, Kouateng aussi, mes chers, euh, on s'en doutait. Donc, euh... Voilà, question de Dridri euh, sur Zeidou Youssouf, on en parle tout à l'heure, Dridri. Donc reste avec nous, on va parler de Zeidou Youssouf et des contacts avec la Saint-Etienne, puisqu'ils sont réels, ces contacts. Euh, Bilal, qui nous dit Belanova est l'un des plus gros cracks européens à son poste. Possible, mais il il a, a fait un gros mondial, un mondial, mondial U20. U20. Ouais. Oui, il, a, il, a, il, a, il, a, il a était jusqu'en jusqu demi-finale avec euh, l'Italie. Euh, après, au niveau professionnel, il n'a pas tellement euh, prouvé parce qu'il n'a pas, pas encore joué en professionnel. Il en a joué Primavera. avec la Primavera euh, du Milan AC, qui est un championnat, je précise, qui regroupe euh, les réserves de tous les oui. clubs euh, professionnels italiens. Les espoirs. Voilà. Euh, mais il n'a pas encore joué en Serie A, euh, aucune minute en Serie A, aucune minute en professionnel, euh, à moins qu'on considère que le Mondial U20 euh, c'est professionnel. Ouais, ouais. Mais il va devoir prouver lui aussi. Mmh. Alors, euh, Kosielni va venir, nous demande ce qui bleu. On en a parlé, la rumeur Kosielni, on l'évoquera à la fin. Donc c'est une rumeur sérieuse. On en a parlé en début d'émission, tu pourras revoir le replay. Euh, à partir de 19h, hein, certainement. Euh, ça fait beaucoup de joueurs défensifs, nous dit Klooky. Euh, ouais, pas mal. Mais il y a des pistes. Hein. Peut-être qu'ils font ligne par ligne et qu'on euh, va commencer à s'attaquer au milieu de terrain et enfin à un avant-centre. Voilà, il y a d'autres pistes, on va en parler, des pistes. Et euh, maintenant, euh, regardez, on vous a fait, on a vu les arrivées officielles et les départs, ça s'affiche sur votre écran. Euh, donc, on réduit la taille de, de police. Bientôt, on va faire deux écrans hein, pour les départs. On en est. Si on compte les retours de prix on peut le compter ensemble. 3 et 3,6 et 3,9 et 3,12. 13 départs euh, lors de ce mercato euh, de girondin. Des l'année dernière. 13 départs. Et on, on voit, Yannick, je ne sais pas si tu veux le commenter. Des départs par rapport à la semaine dernière. Alors, on a Sergi Palencia qui a signé euh, qui a trouvé un accord avec saint étienne euh, pour 2 millions d'euros. Euh, Sergi Palencia, donc c'est euh, en dessous de ce que, de ce qu'on, de ce qu'on. affaire on, on pour voyait, saint hein, palencia saint qui... Donc on aurait peut-être pu euh, s'aligner dessus, euh, je sais pas. Est-ce que Paolo Souza voulait vraiment euh, continuer à travailler euh, avec Sergi Palencia Je suis pas sûr. Hein. Surtout qu'on avait déjà acheté euh, Belanova quand, euh, quand Paulo sait est arrivé. Ouais. Bon, par rapport à la semaine dernière, l'officialisation du prêt d'Overmandanda euh, à Créteil après euh, après son après sa prolongation de contrat avec ça. les girondins ça ça s'est officialisé dans la semaine tout comme Paul Bernardoni euh, prolongé puis prêté au Nîmes Olympique qui va faire euh, la préparation avec le Nîmes Olympique pour l'instant il est en vacances hein. il a fait le le mondial le l'Euro espoir avec la France il est arrivé jusqu'en demi finale euh, le départ officiel de Michael nilor euh, pour un prêt à Avranches euh, sans, sans option d'achat et euh, enfin, Jules Koundé, hein, on, va, on revient voilà. dessus. Euh, on on en a parlé français. tout à l'heure, en début d'émission, vous pouvez voir dans le replay. Et donc, il n'y a que deux départs qui se sont soldés par euh, des vente. revenus, voilà. par des revenus pour les Girondins, Jules Koundé et Lucas Kierager. Donc, ça ferait environ... Euh, 20, euh, 32 millions. Voilà, on peut compter 25 millions d'euros. Alors, c'est approximatif, hein, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, mais hein, 25 millions d'euros pour Koundé et 7 millions pour le Ragger. Voilà. Donc, c'est plutôt bien vendu. Hein, euh, ah, donc. Euh, millions pour deux joueurs. Euh, exactement. Alors, je vois plein de, de questions sur le chat. Est-ce que Giroud va venir Non, Giroud, c'est mort cette saison. Il hein, faut oublier. Il a prolongé avec euh, Chelsea. Voilà. Enfin, il a pas il, prolongé. Chelsea. il a pris son année d'option avec Chelsea. Exactement. Euh. Avec Chelsea. Donc, euh, Olivier Giroud, il faut que vous. C'est oublié. C'est oublié, Olivier Giroud. Voilà. Euh, merci d'être aussi nombreux. Je vois que vous êtes très nombreux. C'est top. Top, top. Euh, allez, on continue. Et ça va être l'heure de la Bonne Idée. Et il y a... Euh, alors, j'ai vu passer un message sur le chat. C'est euh, DC Ecstasy qui nous dit, pourquoi pas Gignac pour remplacer brillant Eh bien, écoute, <laughs> écoute, tu n'en es pas loin. Tu parce es très que... Fort. <laughs> alors, c'est pas, pas Gignac. Hein. La Bonne Idée, c'est pas Gignac. Pas un marseillais. <laughs> <laughs> c'est pas géniaque mais euh, regardez et est-ce qu'on se ferait pas un petit jingle beau bonne idée voilà le petit jingle beau bonne idée et euh, je te non. laisse nous commenter ta beau bonne idée ce n'est pas Gignac, c'est son coéquipier en club Eduardo Vargas donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent c'est un chilien international chilien de 29 ans euh, donc oui comme je vous le disais tout à l'heure il joue la Copa América avec euh, le Chili d'ailleurs c'est un taulier euh, dans sa sélection nationale hein. il est euh, 83 matchs pour, 30, pour 36 buts avec le Chili. Euh, il a marqué 2 buts hein, lors de cette Copa América. C'est tout simplement euh, un attaquant de pointe, un numéro 9. Donc il est aligné avec les Tigresses euh, dans un système à 2 avec Gignac devant. Euh, C'est un attaquant plutôt de, de petite taille, très vif, très technique, très rapide, capable de créer euh, une différence sur n'importe quelle action, dans n'importe quelle défense. Euh, grâce à ses dribbles, grâce à sa créativité, mais aussi grâce à son jeu de passe, euh, il est capable de mettre euh, ses coéquipiers dans de très bonnes dispositions. Il peut jouer neuf, mais aussi faux neuf, donc euh, euh, ça un peu en mmh. soutien de l'attaquant. Ouais. Euh, donc, euh, vu que c'est un buteur, il a aussi une belle qualité de finition, euh, des frappes de loin, même s'il est parfois un peu croqueur, euh, je ne vais pas vous le cacher. Euh, il a quand même de belles stats euh, de passe décisive. Euh, là, vous voyez ses stats de cette saison euh, avec les Tigres, Il a beaucoup joué 47 matchs. Euh, même il si a fait la minutes. Ligue des Champions. Euh, la ouais. Ligue des Champions euh, de la Sud-Américaine. Sud hein. ouais, tout à fait. Euh, euh, voilà. Donc, il a une très grosse expérience. Il est passé en Europe, au Napoli, euh, à Valence, au QPR et à Hoffenheim. Euh, même s'il n'a pas vraiment convaincu, notamment à Naples, euh, il a fait une belle saison en Allemagne, deux belles saisons, euh, euh, qui s'est soldé par des, des saisons à plus, de, à plus de 10 passes décisives, ce qui est ah. très bien. Ouais. Euh, il amène de l'expérience, une fougue. Euh, c est, c est ce pas serait pas mal. Moi, alors, euh, moi ce que j'aime bien, je peux, si je me perds, je ouais. te coupe, et tu avais des choses à ajouter peut-être euh, euh, son contrat. Son contrat. Alors, ben vas-y, je te laisse commenter après. Euh, juste, son euh, contrat euh, je... et combien ça coûte Voilà, Vargas. Combien ça coûte C'est là où c'est intéressant. Il est en contrat <laughs> jusqu'en 2021 avec les Tigres au Mexique. Ouais. Euh, il est arrivé en 2017 hein, aux Tigres. Ouais. Euh, et sa valeur serait de 4,5 millions d'euros. Donc une somme qui moi me paraît intéressante pour un joueur de ce calibre aussi réputé, euh, avec autant de talent. Euh, même si en Europe, il a peut-être eu du mal à Naples. Euh, il a joué à Naples il, il, Oui, il a joué à Naples. Je ne sais pas si il... tu l'as dit. Oui, oui, oui. tu l'as dit, d'accord. Il a fait le tour d'Europe un peu. Mm. Et faut il faut qu'il vienne en France. <laughs> il n'a pas fait la France, il ne connaît non, pas la a, Ligue 1. il connaît pas la Ligue 1. Il a fait les quatre autres grands championnats. Mm. Et donc, euh, 4,5 millions pour un genre de ce calibre. Je trouve ça vraiment pas mal. Euh, voilà. Ça apporterait de l'expérience et de la mentalité au, euh, oui, il est capable d'amener ce, ce petit brin sud-américain de euh, gagner, marquer, spectaculaire. Euh, ça ferait venir les gens au stade, moi je pense. Euh, c'est un nom qui parle ah, oui. aux gens. Je sais pas si vous vous connaissiez. Mmh. Euh, pour moi, moi j'aime bien cette bonne idée, franchement. Alors, euh, j'ai des réactions. Euh, ils disent que le championnat à national, c'est un niveau qui est bas. Nous dit euh, Sky Bleu. Ouais, mais ils ont quand même joué la Ligue des Champions, ils jouent en équipe nationale. Il est arrivé en finale de la Ligue des Champions. Il a un gros vécu, hein. c'est un joueur qui a un gros vécu. Et après, on me dit, en salaire, c'est important. Ah oui, par contre, il oui, fallait que j'en parle. Le salaire, euh, il, a, il a un plutôt gros salaire, c'est vrai. Après... -ce on il sait il est... combien il touche ou pas euh, Non, non pas on ne sait pas. pas, pas. D'accord. Euh, mais euh, je crois que c'est 4 millions par an, un truc comme ça. D'accord, ok. C est... C est non. affiner sur le salaire. Mais bon, après, Et, euh... ça peut être un pareil. Ça peut être un pari. contrat de deux ans quoi. Tu fais un contrat d'un an, deux ans Sur un joueur comme ça Puis on a vu que Paul Souza euh, et les dirigeants euh, Séduisaient les joueurs Pourquoi ne pas, ne pas réussir à le séduire et à le convaincre peut-être de baisser son salaire Même s'il a 29 ans euh, euh, Je sais voilà. pas C'est bon. ce, une, une idée. idée, dites nous ce que vous en pensez C'est la bonne idée, on essaie d'aller chercher des joueurs euh, Qui sont pas dans, dans les rumeurs Pour euh, donner des idées La semaine ah, oui. dernière c'était le japonais International japonais, l'Italien, la, la l'attaquant italien, la, italien la semaine d'avant. La, la semaine précédente, on vous a proposé Rony Rodriguez qui a qui était en contact avec la Lazio notamment. Euh, voilà, donc euh, beaucoup. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, exactement. Moi, je trouve c'est plutôt pas mal cette bonne idée. Euh, je vois les réactions. Je suis en train de vous lire sur le chat, sur YouTube. Il y a beaucoup de réactions et je vois que vous êtes très nombreux. Euh, et on va aborder. Euh, Maintenant, avant les questions-réponses à la fin, euh, les rumeurs de départ et d'arrivée, des... euh, parce que c'est ce qui vous intéresse, ce que vous ce attendez, vous que vous attendez euh, avec le petit focus sur Trincao et le petit focus sur Tramoni. Mais avant ça, euh, on va vous faire patienter euh, et parler de Zaidou Youssouf à la SSE. Yannis, ah oui. un vrai contact. Ah oui, le milieu de terrain des Girondins formé au club qui, euh, qui discute avec Saint-Etienne. Le club des Girondins discute avec les Saint-Etienne. Ça a été confirmé par Edouard Domassia hier lors de la conférence de presse. Euh, donc des, des contacts très qui seraient très avancés. Euh, il n'a pas voulu euh, re un contrat avec les Girondins dans l'année. On ne sait pas s'il y a eu une proposition de prolongation On avec pas, les Girondins. Mais ce qui est sûr, c'est que lui ne voulait pas. Ah bon L'équipe ah qui a dit ça. D'accord. Donc bon. lui ne voulait pas. Et euh, donc il devrait, il devrait peut-être quitter le navire dans les prochains jours. Euh, Je ne sais pas s'il fera le, le stage en Autriche, notamment. Euh, c'est en négociation. Donc c'est du concret. Euh, c'est possible qu'il parte. L'indemnité. Euh, ça n'a pas filtré. Ça n'a hein. pas filtré, mais euh, ça devrait être euh, avec du pourcentage à la revente, comme euh, on l'habitude de faire les Girondins, peut-être 5 millions d'euros pour euh, Zaydou Youssouf. Voilà. Younous Sankaré, pas d'infos supplémentaires par rapport à la semaine dernière, avec le PAOX Salonique qui s'était renseigné, le champion euh, de Grèce et euh, de, club italiens, de club espagnol, Villarreal et Leganes notamment. Euh, et Aaron Bupenza. Qui va être prêté, puisque je rappelle qu'il est sous contrat avec Bordeaux oui. jusqu'en 2020, qui est selon l'équipe, qui sera prêté au club portugais de Ferenc. Oui, euh, il était prêté déjà le, le Gabonais euh, l'année dernière à deux clubs, euh, Ajaccio et Tours. Et là, ce serait euh, Ferenc, qui a fini dernier du championnat portugais cette saison, qui descend. Donc il va jouer en euh, D2 portugaise. Exactement. Exactement. Je vois que ta beau, bonne idée, fait réagir. Hein. Les messages arrivent. Hein. Euh... On les lira tout à l'heure. Je les lirai tout à l'heure dans le question-réponse. Restez avec nous. On est encore ensemble pendant au moins une dizaine de minutes. Un peu plus, un quart ouais, un, peu, un bon quart d'heure. Hein. Euh, voilà, côté départ, on peut dire les départs euh, pressentis pour le moment. Il n'y a rien le... sur Camano. Camano, Southampton qui serait toujours euh, sur C'est bien de le préciser. Donc Camano, ça se réglera après. Le FC Séville était intéressé par Camano après euh, ils ont recruté ils vont recruter le marseillais Lucas Ocampos ce qui me fait dire que finalement Séville va abandonner euh, cette piste euh, François Camano, je pense à mon aussi. avis voilà euh, alors côté arrivé côté arrivé on en a parlé vous vous ferez le replay là juste après un peu après 19h vous aurez le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Web Girondin, d'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et euh, le replay sera aussi sur notre site webgirondin.com. Il y a aussi l'appli mobile que vous pouvez charger hein, sur votre téléphone Android ou Apple. Euh, ceci étant dit, parle-nous de Francisco Trincao, ce joueur qui aurait été conseillé par Paolo Souza à euh, la cellule de recrutement d'Eduardo Massia. C'est le week-end dernier que, que c'est ressorti. Paulo Sousa avait euh, conseillé aussi dirigeants Francisco Trincao, euh, le joueur de Braga. Euh, très jeune espoir, 19 ans, euh, très grand espoir du football portugais. Euh, C'est d'ailleurs ce, euh, ce qui fait peur euh, aux Girondins, euh, sa notoriété qui, qui fait de lui un joueur cher. Euh, finalement, il coûte 15 millions d'euros et les Girondins seraient prêts à en mettre que 6. Euh, C'est un attaquant. Un gaucher qui est aussi capable de jouer euh, avec le pied droit. Euh, il joue avec Braga. Il a souvent joué avec l'équipe B de Braga. C'est à partir de cette saison il a commencé euh, à jouer avec l'équipe A, mais il n'a pas beaucoup joué. Euh, donc euh, son coup d'éclat, en fait, c'est pendant l'Euro euh, euh, des U19 en 2018, où euh, il a planté deux doublés, dont un en demi-finale. Il a marqué en finale contre l'Italie et le Portugal a remporté euh, 7 euros. Mais. Euh, Sinon, en euh, professionnel, avec Braga, il n'a pas tellement joué, il n'a pas, pas marqué. Euh, son, sa meilleure saison, c'est avec Braga B, il y a, euh, pas cette saison, celle d'avant, il y a deux ans. Euh, bon. voilà. Bon, voilà, c'est une piste, un jeune joueur, il est attaquant. Il y a 20 ans, je crois. 19, 19 ans. Et est-ce que tu peux nous parler de Matteo Tramoni Tramoni, ce joueur de l'AC Ajaccio, euh, qui est pisté par les Girondins, ce jeune joueur. Lui aussi, 19 ans, hein, issu de la génération 2000, Matteo Tramoni. Euh, milieu de terrain gauche, euh, il peut jouer dans l'axe à droite hein, euh, de la CA À, euh, à l'aise des deux pieds, lui aussi. Il, est, euh, il a un sens du placement pour, euh, ce, pour son jeune âge. Il, il, a, il, a, il, il démontre du coffre, euh, même si euh, son défaut, c'est peut-être son niveau physique euh, qu'il va falloir améliorer. Euh, il peut distribuer le jeu. Euh, casser les lignes grâce à ses passes et surtout il est capable de faire euh, le, le, le devoir d'un piston gauche c'est à dire revenir en défense et aller attaquer se projeter dans la surface pour finir belle qualité de frappe même si même si euh, c'est pas un grand finisseur euh, de loin il peut, il peut mettre des belles frappes à voir euh, combien il coûterait euh, la sage qui descend en national 1 euh, euh, administrativement. Euh, donc euh, voilà, avoir c'est voilà. une piste et euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il a un frère qui est pisté. Lisandro. Lisandro euh, Tramoni. Tramoni qui est euh, suivi par le PSG depuis de longs mois. Le PSG lui fait la cour pour le faire signer. Un frère qui est très, très grand espoir, très grand espoir, très prometteur et il a toujours pas signé avec Paris. Et il se dirait, euh, alors c'est ça vaut ce que ça vaut, c'est une rumeur. De il, se, il se dirait que Bordeaux euh, souhaiterait attirer les deux joueurs, euh, Matteo et Lisandro, puisqu'on connaît le projet de Bordeaux, hein, c'est de miser sur des jeunes joueurs, et il souhaiterait les attirer au Girondin de Bordeaux. J'ai lu des chiffres sur l'indemnité de transfert de Lisandro, on parle plus de 4 à 5 millions d'euros, voilà. Mais euh, du fait de la situation de la c Ajaccio qui doit passer devant la DnCG ouais, ouais. Euh, pour euh, assurer son maintien en Ligue 2. Mais voilà, tout ça, il y a de l'incertitude et il faut euh, il faut être patient. Euh, il faut être patient euh, là-dessus. Voilà. Sandro, si je peux dire, euh, ce serait une très bonne nouvelle si on arrive à l'attirer. Notamment notre notre principal argument en fait, finalement, c'est son frère. Si son frère arrive euh, au Girondin, euh, faire jouer les deux frères ensemble, ça peut être un argument. Après, face à la puissance financière parisienne, on peut rien faire. Euh, si Paris décide de mettre de vouloir, mmh. d'attirer le joueur, euh, on ne pourra pas lutter, quoi. Alors j'ai une question d'Orange Bleu. Le nouveau maillot du club, c'est pour quand Alors c'était hier. Orange Bleu, c'était hier le nouveau maillot. Euh, il a été présenté. Tu l'as sur Web WebGirondin, hein sur WebGirondin.com, sur euh, notre site. Vous retrouvez euh, le nouveau maillot, euh, les informations. On va faire une petite vidéo dessus. Vous l'avez aussi sur les réseaux sociaux de Web Girondin où il a été, euh, il a été présenté. Et nous, comment... comment vous les trouvez vous Moi, je les trouve plutôt pas mal. Alors c'est juste le home et le extérieur et le away, le domicile et l'extérieur qui ont été changés. Oui. Le third, euh, le troisième maillot n'a pas été changé. Il avait beaucoup Moi les je, les beau. je les trouve très beaux. Je les trouve très beaux, surtout le l'extérieur. Franchement ils sont top. Oui, l'extérieur je le top, trouve très railles. beau. C'est le domicile. J'ai une petite réserve à y mettre sur le sur le domicile avec notamment le logo euh, au milieu en fait. Euh, ouais, moi, j et bien. puis la bande grise euh, au scapulaire. Euh, mmh. Voilà. Voilà. Euh, <laughs> et y a Vince qui dit à orange bleu tu vis dans la montagne Non. Alors tout le monde <laughs> n'est pas connecté 100% hein, comme ça. Euh... Sur, euh, sur son smartphone euh, ou sur Internet, pour suivre l'actualité des Girondins. Voilà. Donc là, on a fait un gros point mercato sur les Girondins. On va arriver à... Allez, on vous a fait euh, une équipe type des rumeurs mercato. Voilà. Bon, on ça a bouge, comm... hein. voilà, c... voilà Vous voyez que Koscielny et ça vous montre à quel poste Bordeaux cherche ses joueurs. Il euh, y a des postes qui sont pourvus. Euh, alors, même si Sylvain, on le met à, à droite, mais c'est plus dans l'entrejeu hein, à la place de Badel et Soares euh, pour vous dire que Badel, c'est toujours pas fait. Il est entre Fenerbahçe et Bordeaux. On sait pas. On attend. Peut-être que la somme que va rapporter le transfert de Jules Koundé pourra débloquer l'arrivée de Milan Badel au milieu du terrain, puisque les prochaines recrues, à mon avis, ça sera au milieu et ouais, en je attaque. Je pense aussi. Euh, tramonite tu en a parlé. Trinkaut tu en a parlé. Mbemoudin c'est point mort. Et va il a toujours pas choisi sa destination non plus. Il voilà. faudrait, euh, il faudrait que le, le transfert de Jules Koundé nous permette d'aller de l'avant. Et de recruter des joueurs. Mmh. Exactement. Samuel qui nous dit euh, Samuel Arnaud, on, où peut-on voir la présentation des joueurs Alors, nous, nous les avons nous allons les mettre en vidéo sur Web Girondin. On a mis la conférence de presse du coach on a mis un extrait d'Eduardo Massia, Allez les écouter sur, euh, sur Web, sur le, web, sur web Girondin sur le site, on les a mis aujourd'hui. Et celles des joueurs arriveront certainement dans la soirée ou plutôt de demain matin pour que vous puissiez écouter les réactions de mes chers qui ne parlent pas français et euh, de Bellanova et de Kwateng. Voilà. Un mot sur l'équipe type des rumeurs non. Bah, Du coup, Loris Benito disparaît, il laisse sa place à Laurent Cossiani. Euh... Ça, ça montre que en défense, on a recruté, recruter. En gardien, c'est bouclé. Euh, c'est vraiment là où on a besoin de, de joueurs, milieu de terrain, attaque. Ouais. Un buteur, il nous faudrait un buteur. Voilà, ça va recruter, moi je vous le dis, au milieu et en attaque. La semaine dernière, je vous ai dit que ça allait recruter, ça a recruté. Bon, je me mouillais pas trop aussi. <laughs> Mais bon, on s'en doutait. Je vous l'avais dit qu'avant ah, cette émission, avec le, il le stage des euh... Avec le stage en Autriche, c'est pas parce qu'ils sont en Autriche qu'ils ne feront pas de joueurs. Moi je vous le dis, ah non, euh, les, ils vont faire des joueurs. Les joueurs et le coach partent en Autriche, pas les dirigeants. Ils reviennent. Euh, le, la fin du stage, si je dis pas de bêtises, c'est 14 ou le 15 euh, en Autriche. Il y a un match le 13 euh, face à l'équipe autrichienne, je crois. Un euh, match le 10, un hein, match le 13, ils reviennent et ensuite ils partent. Quelques jours après aux États-Unis. Pour partir aux États-Unis, il aura des joueurs supplémentaires. Oui, je pense. Euh, Paolo Souza. Je pense. Il l'a dit, il il dit hier. Il, euh, que, là, il y avait deux, deux joueurs sur lesquels les Girondins s'activaient. Oui. Euh, Edouard de Masia a dit. Et euh, Paolo Souza a dit qu'il lui manquait des joueurs. Que là, il, il fallait recruter parce qu'il a besoin de joueurs. Il est en retard déjà sur la préparation. Mmh. Euh, C'est ce qu'il a dit. Il a mis un peu. Mmh. Un, Mini coup de pression, on va dire. C'est ça, exactement. Allez, on va passer aux questions-réponses. Euh, C'est parti, euh, j'ai eu des questions, j'en ai noté, vous nous en, en avez donné déjà sur Instagram aujourd'hui. Euh, allez, la piste Wellbeck est-elle une solution Alors, Wellbeck, ouais. euh, il a été proposé aux Girondins. Il euh, y a plusieurs joueurs hein, qui sont proposés aux Girondins. Euh euh, chaque semaine. Euh, Welbeck, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est libre de, de, de son contrat à Arsenal avant centre, mais euh, ses prétentions salariales sont trop élevées et euh, sont... il y a des doutes sur son niveau physique. Il est beaucoup blessé ouais. et du coup les Girondins ont décidé de ne pas donner suite. Voilà, euh, Florian Jaudin qui nous dit j'avais cours de poney, mais j'y suis pas allé pour suivre l'actu mercato Web Girondin. Est ça qui est bon. J'espère euh, que vous avez de bonnes infos. mais Plutôt qu'à les pôner, es, tu, tu fais bien de rester euh, devant ton ordinateur et de boire un coup, un, vin, un bon verre d'eau fraîche. Hein, ça fait du bien. Euh, Mathias Libo, la piste Adrien Silva est-elle abandonnée Non, elle n'est pas abandonnée, mais Adrien Silva, je crois qu'il est bloqué euh, par Leicester, qui est en pleine négociation avec Monaco euh, sur le transfert de Yuri Tillmans, notamment. Euh, donc, il servirait peut-être de monnaie d'échange. Pour l'instant, Leicester en a besoin. Euh, on attend. Euh, peut-être. Que la fin de ce transfert va débloquer euh, les, la situation. Euh, MMS, alors il a un pseudo où il n'y a aucune voyelle dans son pseudo, donc euh, je vais l'appeler MMS. <laughs> C'est un peu compliqué à citer. Il nous dit euh, Diego Roland, il est à Malaga. Non, il est à Leganes, Diego Roland. Alors. Et il, va, il devrait changer de club, apparemment. J'ai vu ça tout à l'heure. Ah, bon. Il devrait encore bouger. Voilà, euh, ouais. il a plutôt une carrière euh, ratée. Euh, Prêté depuis à la veste cette saison. Une carrière horrible, je trouve, depuis son départ de Bordeaux. Il s'est oui. un peu perdu, ce joueur. C'est vraiment dommage. Moi, j'aimais bien Diego Roland. La crois seule fois où on entendait parler de lui cette saison, c'est quand il a supporté les Girondins contre l'OM. Mm. Alors, la piste Koscielny, on en a déjà parlé. Welbeck aussi. J'avais une question. Où en est la piste Marcus Eriksen euh, Je resitue, c'était un milieu euh, défensif norvégien, norvégien. international euh, qui joue à Hull City en Championship. Euh, bah, ça n'a pas bougé, donc sûrement que le joueur était intéressé par le projet, sûrement que le club d'Oul City ne voulait pas le lâcher. Euh, C'est ce, ce que je pense, moi. Euh, C'est au point mort, donc à mon avis, euh, ça, paraît, ça paraît compliqué maintenant. Vince, 33-640, qui nous dit si on joue à 3 derrière, que faire de Sabali et Palencia Alors, faut te... Alors Vince, faut te redonner le. Alors, on va te réexpliquer le, le, le dispositif, tu lui fais Le pas... dispositif valencia déjà euh, va aller à, appartient à barcelone et va aller à saint etienne euh, sabali euh, devrait quitter les girondins euh, cet été normalement. Euh, les girondins cherchent à le vendre. ce qui, euh, ce qui va se passer, c'est qu'à droite, euh, dans la défense à 3 euh, donc on aura une défense à trois qui serait méchère pour l'instant. pablo. Et, euh... et on attend le troisième qui Pablo, devrait être Koscielny euh... ou alors Jovanovic. Voilà. Euh, à gauche, Loris Benito euh, qui alternera qui sera en conséquence avec Maxime Poungé et à droite Belanova et euh, Sabali euh, est pour l'instant là, mais ce qui rentre dans le projet du club, on ne sait pas. Moi, je pense qu'on se dirige vers un départ. Il dispute pour l'instant la canne, euh, donc il euh, faut attendre la fin de la compétition pour le savoir. Voilà, on a déjà répondu à pas mal de vos questions sur Trinkao, sur Giroud, sur Koscielny. Donc celle-là, on ne va, va pas se répéter. Ça sera sur le replay. Il euh, y avait une question, euh, sur Belanova sera-t-il titulaire Nous demande Christopher sur Instagram. Ce que je pense, personnellement, c'est qu'en défense à 3, euh, il a plus de capacités peut-être offensives que Quateng et euh, il correspond plus euh, à ce latéral qui, qui qui beaucoup qui bouge beaucoup euh, qui est au milieu du temps, terrain. Dans une défense à 3, euh, il se, il serait euh, il évolue comme ça aussi avec l'Italie. Euh, espoir. Donc euh, dans une défense à 3, je vois, je verrais bien Belanova euh, titulaire. Par contre, alors dans titulaire une... mais pas dans les trois de derrière, je non, précise non, hein, oui. pour ceux qui nous titulaire sur le terrain, côté droit euh... au milieu de terrain, voilà. Si on a une défense à 4, par contre, je vois plus Quatteng titulaire euh, en, en, en tant que latéral droit concernant Matteo Tramoni on a déjà répondu euh, à vos questions euh, voilà pas de pas de choses à ajouter euh, où en sont les pistes Mbemo et Houdin qu'on a vu dans l'équipe type des rumeurs un peu aussi à, pas abandonné mais euh, oublié euh, ouais, ça, ça en est au point mort aussi tout comme Marcus euh, Henriksen euh, ça bouge pas mm. en tout cas les deux ont repris l'entraînement euh, avec leur club respectif j'ai une question de Noah qui s'inquiète qui de, de Jules Koundé. Il nous dit à quelle place va jouer Jules Koundé à Séville En défense centrale. Défense centrale, voilà, Noah. On a répondu à, à ta question. <laughs> euh, écoute, je suis en train de regarder les autres questions. Euh, on a répondu à pas mal, hein, finalement, pendant, pendant ce live. Est-ce que d'autres recrues sont prévues cette semaine Cette semaine et la semaine prochaine Pe Moi, je pense que. Moi, je... Fin de y a, semaine, y a un recrues qui sont. La semaine prochaine, oui. Il y a deux recrues euh, qui, sont, qui sont en cours de négociation avec Eduardo Domacia avec le club. On peut pas, on sait pas les noms. Même si on se doute que ça doit être euh, ça se doit être Laurent Koscielny peut-être et C'est en euh, négociation, on attend. Euh, Je verrai bien la semaine prochaine peut-être euh, des arrivées officielles. Ouais début de semaine cette semaine pourquoi pas. Il faut que ça évite de toute façon. Moi, ce que je suis sûr, c'est qu'au retour du stage en Autriche, on aura un, voire deux joueurs supplémentaires. Je suis assez confiant là-dessus. Le club est structuré, le club travaille. Eduardo Macias, une pointure. Hein. Je pense que son CV, il est plus à faire pour faire venir des joueurs. Pour l'instant, ça bouge, c'est bien. C'est un, un bon mercato qu'on fait pour l'instant, je trouve. Ouais. Euh, pourquoi Alors, sur la bonne Idée, les réactions sur ta bonne Idée, Bernard Constant, que je salue, nous dit, moi, comme bonne Idée, je pense à très l'Égyptien. Ah, j'ai regardé un peu très moi ça, ça m'impressionne pas. et Je trouve pas que c'est le, le, le statut d'une bonne idée en fait. J'ai cherché des joueurs de la Cannes, c'est compliqué. Euh, il y avait l'attaquant de l'Algérie, euh, j'ai complètement oublié son nom, euh, qui, euh, qui est un peu cher, mais qui, mais qui a fait une, une très Farouk, bonne euh, j'ai oublié son nom aussi, mais voilà, euh, oui, qui ah, joue Farouk. en pointe. Farouk, c'est sans prénom, vous aurez que sans prénom. Sinon, des Ougandais, mais euh, euh, non, au niveau africain, euh, ouais. je n'ai pas trop trouvé. Après, euh, j'ai une proposition de décextasie, toujours sur la bonne Idée hein, qui réagit. C'est cette rubrique où on vous propose un joueur. Aujourd'hui, c'était Eduardo Vargas. Vous pourrez le revoir dans le replay. Euh, il nous dit Moi, en bonne Idée, j'ai un euh, oisième. C'est un, un Nigérian, il a 21 ans, il fait 1m89, c'est un défenseur central, il pèse 78 kg Bon, je sais pas si c'est une vraie beau, bonne idée. Que <laughs> il tu nous pèse 78 en... kilos, merci pour la précision. Ouais, après, un tour, défenseur, en défenseur central, centrale, on n'en a pas besoin. On, a, on en a trop, là. c'est terminé. Hein. Alors, à part Koscielny. Il oui. oui, ouais. faut, faut remplacer Jules Koundé. Mais... Mm. Exactement. Euh, alors, euh, piste Baoken aussi, il y a la piste Baoken, je pense je pense qu'elle est abandonnée, tout comme euh, la piste Flavien je pense que c'est abandonné. Oui, c'est mort, hein. on l'a sorti nous du tableau des transferts sur, ouais, euh, sur Web Girondin. Euh, c'est terminé, il y a trop à, à débourser pour ce type de joueurs. Hein. Ouais, euh, si on euh... parle de 8 à 10 millions d'euros hein, pour, les deux, pour euh, chacun des deux joueurs. À quoi sert Briand, nous dit Strotman, à Kevin Strotman A marqué ses buts euh, quand brillant, il Briand il, il, fait, faut, ses hein. Matchs, hein. il a fait ses matchs. Plus de 10 buts euh, la saison passée. Oh ouais, je, suis, euh, je suis, de ton avis. Il nous manque des joueurs, des ailiers et des joueurs au milieu. Euh, nous dit Cobast, tout à fait. C'est vrai. On... Bonne remarque. J'espère que ça arrive. Ça va arriver, je pense. Il faut, faut patienter. Il y a des joueurs qui sont, euh, qui sont un peu plus chers, on va le dire, que les défenseurs. Euh, donc le départ de Jules Koundé, l'argent qui va, qui, va, qui va revenir aux Girondins. Servir euh, à investir dans d'autres joueurs au milieu de terrain en attaque. Frédéric Cisse, que je salue, euh, qui nous dit euh, Et le pourcentage de, euh, de Salah bon, L'argent concernant le transfert d'Emiliano Salah Je vais y répondre mais Écoute, c'est euh, euh, sans suite pour l'instant, il euh, n'y a pas de nouvelles, c'est au niveau juridique ça que doit ça se passe. Au, ouais, voilà, tribunal, je ne sais même pas si ça passe au tribunal. Si, c'est le tribunal. Ah oui, d'accord. C'est voilà, la justice, la FIFA, euh, tribunal du sport, hein, qui s'en sont saisis. Euh, voilà, donc pas plus de nouvelles concernant. Euh, Là. Euh, Claude Maurice de Lorient, qui peut jouer milieu offensif et un bon potentiel. Tout ce qui est euh, cellule de recrutement, euh, on a fait beaucoup d'arrivées, cellule de recrutement, recruteur, euh, scout. Euh, ça va peut-être porter ses fruits, hein. euh, donc j'attends de voir. Mais c'est déjà pas mal ce qu'on a euh, par rapport à l'année dernière. Si on fait un petit comparatif, l'année dernière il euh, y avait Walou, là, hein. euh, on avait <laughs> personne Wallou, ouais. Oui, oui, oui. <laughs> c'est vrai, vrai que moi je suis très content de la façon dont ça se passe. Et de toute façon, euh, un premier rendez-vous qui va être important sur euh, le message que Paolo Souza va envoyer à son effectif, c'est le nombre de joueurs et les joueurs qu'il va amener ou pas amener en Autriche. C'est jeudi matin. Peut-être qu'on aura la liste, euh... c'est demain matin. Il y a demain matin. Ce de... soir ou demain, euh, des joueurs qui partent. Donc ça, ça serait un premier indicateur. Voilà. Euh, bon, écoute, euh, je pense qu'on a terminé. Voilà, oui. ce live est terminé. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, les amis. 19h. Ouais, une heure, parce qu'on a eu un, un petit souci on technique, oh, on a dû relancer la machine. Euh, voilà, on peut pas répondre à toutes vos questions. Yannis à bientôt, tu pars en vacances, on ne te verra plus, les internautes vont ça. te demander. C'est hein. ma dernière, c est, c est la dernière. Ma dernière euh, du club Mercato. Je reviendrai, bien sûr, je ne voilà. vous, vous laisse pas tomber, je reviendrai voilà. pour des beaux bonnes idées. Euh. J'en donnerai à Nico, euh, voilà. il fera et, le taf. Voilà, et peut-être notre invité euh, la semaine prochaine pour, euh, bah, à, à ma gauche euh, pour euh, cette émission. Et ce club Mercato. Merci euh, à tous euh, et bonjour à ceux qui arrivent maintenant. Vous aurez euh, le replay. Je vais le mettre en, en ligne dans un petit quart d'heure maintenant. Sur YouTube, vous l'aurez directement. Sur YouTube et, et sur le site. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous soutient euh, quand vous êtes abonné et ça vous permet de pas louper des vidéos euh, puisque euh, vous savez que vous avez les conférences de presse euh, et tout ce qui concerne les Girondins de Bordeaux. Allez, salut à Ciao. toutes, salut à tous et euh, à la semaine prochaine. Bye bye.